à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage chez Noz. Je vais faire un tour dans l'univers alimentation, univers cosmétique et produits d'entretien. Vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver ici à Saint-Souplet dans le 77. Alors dans l'univers cosmétique ici, vous avez empêche le glissement des talons et protège la peau des frottements. C'est des petites semelles de la marque Kiwi. C'est en gel, hein, en silicone, je suppose, 1,80€. Là, vous avez du maquillage, donc ce n'est pas des nouveautés, c'est des choses qui étaient là déjà depuis un moment. Là, vous avez riche en acide folique, actif B9, la vitamine B9, sous forme de comprimé à 2,99€. Alors, ça, c'est savon antibactérien à 65 centimes. Ça, c'est des crèmes pour les mains. 59 centimes. On a des petites pochettes hein, qui sont sympas. 1,50€, hein, tout dépend du modèle. 1,50€. La verte, je me souviens plus. 1,50€. Vous avez également celle-ci à 50. Des compresses froides ou chaudes ici à 2,50€. C'est chaude celle-ci, c'est marqué chaude. Alors il n'y a pas de grosse nouveauté côté cosmétique. Je vais tourner. Non, il n'y a pas de grosse nouveauté. Hein. Ça, je vous ai montré. 3,99€. Ça, c'est du shampoing solide. Ça, non, je ne connais pas. C'est quoi l'air sauvage? C'est un déodorant pour lui. 1,49€. Ça, c'est un spray éclaircissant à 3,29€. Et du coup, on va passer à l'alimentation. On va regarder ce qu'il y a de nouveau. Là, je suis côté surgelé. Je vais faire un tour, voir s'il y a des choses nouvelles par rapport à la dernière fois. Alors, le gros carton, ce que c'est? Ah, c'est des burgers vegan, végétales. 5,99€, il y a 2,710€. Vous avez également ici, c'est des penne, c'est des plats préparés. Penne aux deux saumons, 1,20€. Vous avez également risotto. Normalement, il y a risotto. Alors, c'est peut-être en dessous. Risotto poulet, 1,20€. Les saucisses vegan, 4,99€. 1 kg, pratiquement 2 kg. Rondelles de carottes, 3,20€. Tout ça, c'est des articles que je vous ai déjà montrés. Je vous les remonte rapidement. Du côté des glaces, hein, je vois qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Magnum fraise, ça je vous l'avais déjà montré. Les pots de glace ici. Carte d'or choco orange, 1,99€ le litre. Vanille passion, 900 ml, 1,99€. Citron, c'est 2,09€. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on a les pots style Häagen-Dazs et tout ça. Alors, caramel au beurre salé, 2,99€. Sorbet citron ici, mandarine 1,99€ à Gundas. Vous avez des pots de la marque Choco, c'est ça, Smile, 99 centimes. Il n'y a rien de nouveau hein, pour l'instant par rapport à la dernière fois. Il y a ces gros pots de cornichons pour celles qui n'auraient pas vu. Alors ils sont 1,19€. Des bonbons Lutti ici. Alors ceux-là, ils sont à base de gélatine, hein, ça se voit. Alors je vais vous dire ça. Gélatine, ouais, c'est pas précisé, mais gélatine de quoi, 99 centimes. En général, quand c'est pas précisé, c'est la gélatine la moins chère. En général, c'est porcine ou bovine. 6,99€ ici. Vous avez ce type de gâteau, c'est de la marque Oro, 1,69€. Alors, ça, c'est des boissons, un espèce de sirop à diluer, hein, sirop citron vert, 99 centimes. Et je pense que c'est 1 litre. Ouais, c'est 1 litre. Noix du Brésil à 3,59€. Ça, c'est des gros paquets. Hein. J'en profite, il y en a un qui est ouvert, hein, vous voyez. C'est ce genre de gaufrette, de grande gaufrette. 4,49€, gaufrette fourrée vanille. Là, vous avez... Alors, pour le coup, on m'en a tellement parlé que j'en ai acheté une. Et franchement, elle est bonne. Elle est bonne, c'est une plaque de chocolat avec tablette de chocolat avec pop-corn à l'intérieur. On sent un peu le goût du maïs hein, salé, en plus.
Donc un mélange sucré salé à 79 centimes. Là, vous avez des espèces de chips goût tomato ketchup. Ici à 75 centimes de la marque Belin. Là, c'est des petites décos, décorations gâteaux à 2,99. Et il me semble que c'est vendu hein, par lot comme ça. Voilà, c'est vendu comme ça, 2,99. Préparation pour cupcake. Cupcake avec du slime. Alors, c'est 60 centimes. Et puis, vous avez celui-ci, hein, préparation cupcake, mais arc-en-ciel. 60 centimes également. Alors, ça, c'est une sauce. Alors, ça, c'est une sauce à base de tomates. C'est un peu comme du ketchup. Alors, ça, c'est penne aux aubergines. C'est vendu dans un lot comme ça. À l'intérieur, il y en a 5. Et aubergines bio, 2,99€ le lot. Là, vous avez des petits pots carottes, mes premières légumes, à 99 centimes les deux. Vous avez ici spaghetti complet aux 5 légumes. Et celui-là, c'est pas écrit. Filet de maquereau à l'huile d'olive, 99 centimes. Vous avez ici un du ketchup à 69 centimes. Alors ça, c'est des barres muesli au yaourt abricot de la marque Diablo. Alors Diablo, ça c'est une marque que j'ai connue ici. Hein. D'ailleurs, il y a des plaques de chocolat de la marque Diablo. J'ai vu également des... j'ai jamais goûté, mais j'ai vu également des biscuits. Alors ça, c'est connu pour être sans sucre ajouté. Et les barres hein, de céréales, on a une boîte qui est ouverte. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, et c'est 5,99€ le paquet. Il y en a 32 à l'intérieur. Ici, vous avez du lait de... Enfin, une boisson végétale à l'avoine. Et elle est à 79 centimes. Pepperoni. Alors ça, c'est une sauce à 1,99€ de la marque Barilla. Il en reste encore quelques-unes. Hein. Alors, topping framboise séchée, 2,99€. On avait quelques-unes. Là, vous avez du sucre vanille en hein, gros format. Ça, c'est pas mal, 1,99€. Là, c'est du sucre pâte à sucre jaune, 1,79€. Maltesers, hein, 2,39€. Hein, il reste encore dans le carton-là. Ce carton-là, il est vide. Vous avez des dindes, mais je ne sais pas combien ils sont, les dindes. Des mini. $2,99 ici, un chocolat au lait. Voilà, il y a celui-ci, il y a celui-là avec de la framboise. Pareil, $2,99. Je crois que c'est la même chose. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.